Yo, c'est Sars et eh bien on va se faire la deuxième ETB. Elle est où d'ailleurs? Elle est là, la fameuse deuxième ETB. La voilà, regardez. Waouh, qu'est-ce qu'elle est belle! Elle rayonne. Voilà, bon, on va éviter de la faire tomber. J'ai pas envie de la faire tomber. On va ouvrir ça de suite et bon, j'ai de bons espoirs hein, parce que là, Astro Radieux a décidé de nous régaler, que ça soit sur les boosters, les tripacks, les ETB, donc. Bon, on va voir tout de suite ce que nous réservent ces petites dingueries. Bon, et les voilà les petits boosters. Bon, on les connaît. On connaît maintenant les illustrations un peu par cœur. Je ne les ai pas mélangées, mais bon, vous me direz, même en mélangeant, j'ai eu les deux plus grosses cartes au début. Donc. Bon, je vais pas mélanger cette fois-ci, on va essayer de garder un peu plus de suspense que la dernière fois parce que waouh. Bon, ces petites ETB, fort content, hein. Je les ai eues sur Cards Hunter, voilà, c'est vrai que j'ai un petit peu oublié de le dire, mais je les avais précommandées pour être certain de les avoir parce que, bon, quand on les voit, hein, je me suis spoil, il y a quelque chose, mais bon, enfin, est-ce que c'est étonnant? Est-ce que c'est étonnant? Voilà. Je ne pense pas, mais par contre le code, ça c'est pour vous, hein, y a pas, ça change pas d'une semaine à l'autre, hein, c'est toujours pour vous. De toute façon, comme je le dis souvent, je n'en ai rien à faire, hein, donc autant que vous les utilisiez. Bon, la petite carte énergie, la petite Roxane, Ursaring de Tite Zero, le Togetic, j'ai l'impression de déjà vu, oui. Ponita, Pijako, Archeomir, Brindibou, Moustillon, ah oui. Toutes les cartes étaient exactement les mêmes qu'un booster précédent, voilà, de la semaine dernière pour vous du coup. À part ce moustillon, je crois, je me souviens plus. Mais du coup, on va avoir Belila, qu'on peut avoir en full art, qui est plutôt stylé, voilà. Mais on va essayer d'aller choper, oh, une V, oh, ça sent le Heatran. Ouh, oui, ça sent le Heatran. Bon, en même temps, je pense pas qu'il y en ait eu d'autres, mais... Un petit Heatran pour commencer, voilà, du Harita, hein, le Harita-sama. Ça fait toujours plaisir, hein, voilà, ça, faut pas se cacher. Regardez-moi cette beauté, voilà, genre, vraiment, très très belle carte. Bon, après, ça fait très photoréaliste, donc, il y a moyen, comme je le dis, que les gens n'aiment pas trop. Voilà, font ce qu'ils veulent, hein, mais bon, c'est très beau, moi, je trouve. Mais sinon, bon... Je reste néanmoins assez... Parce qu'en plus, oui, c'est vrai que là, l'actu de Pokémon est assez incroyable. C'est que on a déjà, en fait, les visuels, et même le set limite, de l'extension, pas de Pokémon Go, mais de celle d'après, si je dis pas de bêtises, de Origine Perdue, je crois, c'est ça, ouais, de mémoire, je crois que c'est Origine Perdue. Et alors que le set de Pokémon Go n'est toujours pas sorti. Normalement, oui, parce que... Le 7, il sort le 1er juillet. Et donc là, on a forcément dû... Ça doit être la sortie, je le pense. Enfin, il reste peut-être quelques jours avant la sortie officielle. Donc ouais, c'est Origine Perdue, c'est après. Et pourtant, on a déjà les visuels et tout. Genre, enfin, faut respirer aussi un moment. De donner un peu le temps aussi de savourer un peu nos cartes. Bah non, ils sont déjà au 7 suivant. Bientôt, on va voir les 7 sur un an. Bon, bref. Tout ça pour dire que là, on va voir si on va avoir une dinguerie. Non. Wow ! Archiduc Gisui, très très belle carte, disons que je vais regarder. Koki Saito, voilà, hein, une carte de Koki Saito. Très très belle carte, vraiment très très belle. Et est-ce qu'elle va cacher une dinguerie? Je sens que, bien sûr que non, un roublenard. Ouf. Celui-là est nettement moins joli, hein, je suis désolé, mais beaucoup moins beau, hein, voilà. Bon, bref, on va passer au booster suivant. Bon, est-ce que c'était la rare du booster? Non, la rare de l'ETB, oh, peut-être, hein. Non, en vrai, ça serait assez rigolo que l'ETB ne me réserve rien du tout. Là, vraiment, ça serait assez rigolo quand même. On va dire que ça serait un retour de bâton, là, pour être trop confiant, voilà. Petite carte V-Star, voilà, hop. On va voir si j'ai menti. Voilà, si j'ai menti, est-ce que ça va être le cas? Le petit Matloutre, encore une fois, très très stylé. Hippopotas, Hérissandre, un sécateur Caninos, Archéomir. Bon, on le voit, il y a un truc, c'est très mal caché.
Ouais, là, je crois qu'il y a un problème de coupure des cartes là. Par contre. Ah! Ah, d'accord! Ah ouais! Ah ouais! Ah ouais! Ah ouais! On avait dit quoi? Les dingueries! Oui! Oh yes! Oh là, celle-là, elle fait plaisir! Oh là là! Celle-là, elle fait grave plaisir là parce que. La CHR de Karachek Rock là. Elle fait plaisir. J'aurais aimé aussi avoir celle de Staros avec Ondine. Forcément, quelle dinguerie. Mais là, on a une dinguerie. On va pas parler là-dessus. Et on aura une simple rare. Il y a quand même eu deux rares. Mais bon, vu la dinguerie. Alors, je vais essayer d'y mettre le moins de mains possible. Oh, attendez, c'est moi ou. C'est l'effet de la carte ou. Attendez, je demande une expertise là. Ou alors, c'est peut-être les lignes. Ah non, c'est des lignes de fuite. Ok. Parce que là, j'ai cru que c'était, il y avait la même plèbe que sur les boosters japonais, en fait sur les cartes japonaises où on avait des print lines. Non, non, heureusement il n'y a pas de print line, mais bon, elle est sacrément décalée, hein, voilà, c'est pas vraiment la carte la plus belle, hein, on va le dire. Mais bon, on va continuer et on espère avoir encore de belles choses. Alors, voilà, petit code, c'est pour vous, oui. En ce moment là, c'est vrai, je vous parle du coup. En ce moment là, je suis à fond sur Keyforge. Je sais pas pour quoi. Ah oui, c'est vrai. D'accord. C'est vrai que j'ai jamais remarqué parce que là, autant sur les autres, j'avais pas forcément remarqué, mais là, il y a un petit effet rosé, genre sur les énergies. Je ne l'avais même pas vu. Voilà, genre, je vous dis ça, vous prenez l'info, vous en faites ce que vous voulez, hein. Mais j'avais pas remarqué. Donc comme je disais. En ce moment, je suis à fond sur Keyforge. Je sais pas pourquoi j'overkiffe ce jeu. Hein, voilà. Malheureusement, il est un petit peu en stand-by en ce moment. Bon, ça n'en reste pas moins qu'on peut y jouer à ce jeu. Et c'est ce que je fais. J'y joue. Vraiment, moi, en tout cas, j'adore ce jeu. Et c'est vrai que je voudrais y jouer. En ce moment, c'est un peu ma lubie. J'ai envie d'y jouer. Voilà. Et moi, je trouve assez dingue. Je sais pas. C'est vrai que. Je vais faire aussi une vidéo, voilà, c'est pour ça que j'en parle, hein, c'est parce que je veux faire une vidéo sur Keyforge et donc bah, en parler un peu plus en profondeur, faire une vidéo présentation, ce genre de choses et faire 2-3 vidéos sympathiques sur le sujet parce que c'est pour moi, même si c'est pas un TCG pour collectionner, c'est un TCG fait pour jouer, oui, totalement, hein, y a aucun aspect collection là-dedans, mais. En soi, c'est un TCG qui a le mérite d'être reconnu. Voilà, hein, tout simplement. Donc, je vais essayer de lui rendre honneur avec quelques petites vidéos. Voilà, bon, Roxane. Toujours pas de Pokémon radieux. Ils veulent pas me le donner. Hein, et on aura. Roublenard. Ouais, cet OTB. Elle est nettement plus assassine parce que là on aura eu trois rares simples et on arrive à la moitié donc ah ça fait un petit peu mal hein. Je vais pas vous le cacher là Astro Radieux nous a clairement pas habitué à ça donc j'ai explosé le booster, ok, avec ma force. Là, on a quelque chose, apparemment. Ouais, super. Autre chose qu'une holo, ça serait quand même assez sympathique. Voilà. J'ai promis de belles ultras, donc bah, ça serait bien qu'on les ait. Hein, voilà. Hein. Ouais, donc. On va voir. Pour Keyforge, j'aimerais bien, quand même, que les gens s'y intéressent un peu plus, parce que ce jeu est vraiment. Bon, il est en stand-by, il va revenir, voilà, c'est juste qu'il faut lui laisser le temps. Mais ce jeu, je trouve génialissime, il est vraiment extrêmement bien pensé, voilà, et ça change un petit peu des canons actuels, voilà. Bref, bon, Krixic, Psychokwak, Chlorobulle, Serfrousse, Grelasson, Yanma, donc pas de CHR, yes. Est-ce qu'on va avoir quelque chose derrière? Oh, Karchak Rock, ben, on l'a déjà eu. On a déjà eu 2 V de Karchak Rock et là on a eu la CHR de Karchak Rock. Ça fait un peu trop de Karchak Rock à mon goût, voilà. Bon, ça reste une V, ça reste un hit, ça reste quelque chose d'intéressant, mais on n'a toujours pas eu
de ni de full art, ni de une petite alternée. Allez, allez, je la colle, je le colle là. Là, là, vous le voyez, à ce moment-là, je colle l'alternée. Allez, c'est parti, on y va, on y croit. Mais pas dans ce booster. Voilà, hein, pas dans ce booster déjà. Le petit code, il est là. Mais du coup, bah, comme je disais, là, si vous voulez me soutenir, mettez un petit like, ça fait toujours plaisir. Voilà, pour soutenir, donner de la force, tout ça, tout ça. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai à dire? Ah oui, oui. Si vous voulez vraiment, bah, parce que vous m'aimez. Je sais même plus ce que je dis. Vraiment, si vous voulez me supporter un max, partagez la vidéo sur les réseaux sociaux. C'est le meilleur moyen. Voilà, je le redis. C'est bon, le tricks est fait. Mais bon. On va commencer par la rare qui est un Ursaking. J'adore ce Pokémon en plus. Hein, voilà, je le dis. Ursaking, vraiment très stylé. On le met sur le côté. Encore une rare simple. Ça picote. Hein. Ça picote. Mais ça pourrait moins piquer si on avait une petite carte radieuse. Là, c'est ce que je veux. C'est ce que je recherche. La petite carte radieuse. Allez, s'il te plaît. C'est pas une carte radieuse. Hein. Même si le Togetic est blanc comme neige, ce n'est pas une carte radieuse. Voilà. Je vais remettre ça. Voilà, maintenant vous savez comment on fait, comment je fais pour accorder mes vidéos. Donc, on va mettre ça là. Boum, le voilà, ça c'est bon. Je sais pas où ça sera coupé. Mais là, je fais plus trop attention parce que là, en fait, il y a un reflet sur le téléphone. Du coup, je vois pas combien de temps il me reste. Donc, du coup, ça arrive qu'il y ait plus de coupures. Il va falloir que je fasse un peu plus attention. Quand même, je suis désolé. Voilà, je suis désolé, je vous le dis. Et bon, on va essayer de voir, c'est l'avant-dernier booster, je le vois là, j'aimerais quand même avoir une petite compensation, s'il vous plaît, oui, la petite compensation, elle est là, oui, un magnifique hippo-roi, ça fait plaisir, ça fait plaisir, et on va voir derrière, bon, couille, puis qu'on s'en fout, mais ça fait plaisir, ça c'est un des magnifiques hits qu'on peut avoir dans Astro Radio. Et moi, ça me fait plaisir parce que bah, forcément, Hipporoi, j'adore. J'adore Hipporoi, forcément, c'est un Pokémon Dragon, hein, logique. Mais là, on a eu pas mal de Pokémon Dragon. Je regarde. Bon, là, on a eu 4 hits. Voilà. Est-ce que ce dernier booster, Palkia, fantôme du passé, est-ce que Palkia va nous porter chance? Ça, c'est une bonne question. Et on va le voir si j'ouvre ce booster, bien évidemment. Voilà, il y a des boosters un peu plus durs. Ça a été assez facile. Genre, faut pas que je me spoil. Hop, voilà le dernier code. Et. Ok, donc les cartes sont un peu bizarres. Ok, il y a des cartes un peu bizarres quand même. Ouais, elles sont un peu bizarres. Par exemple, l'énergie est un peu plus claire. Bon, c'est un problème qui était assez connu avant. Mais bon, voilà, ça choque encore une fois. Bon, bref. Lunettes super efficaces. Aquaquak, Benilla, Out, Krekzik, Serfrous, Quillfish, un sécateur. Et la turbo patience. Yes. Et s'il vous plaît. Oh là là. Et là là. Oh là 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 là. Et une simple holo. Ah, cette ETB était un peu moins chanceuse quand même. Ah, c'est un peu la tristesse, hein. C'est un peu la tristesse, mais bon, hein, on a quand même eu une magnifique carte qui, à elle seule, je pense, rembourse un petit peu le TB, hein. Voilà, c'est la CHR de Karchakrok, mais voilà, bon, du coup, eh bien, on va s'arrêter là, voilà, on va s'arrêter là sur ces beaux openings. En tout cas, moi, du coup, comme je les ai ouverts d'affilée encore une fois. Mais la semaine prochaine, je sais pas. Là, vraiment, je sais pas. Est-ce qu'on va commencer du Pokémon Go? Est-ce qu'on va continuer du Astro Radio? Est-ce que je l'ai déjà commencé, Pokémon Go? Je n'en sais rien. Voilà, je vais vous dire, j'en sais rien. Vous verrez ça de toute façon. Hein, voilà. Et sur ce, eh bien, je vous souhaite d'avoir kiffé hein, quand même la vidéo. Espérons, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est quand même que je pense que vous avez aimé la vidéo. Hein, voilà. Et sur ce, eh bien, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Tirez de bonnes cartes. Tchuss.
Alors là, tu es en train de me dire que pour faire ça, je viens d'oublier que j'avais retourné le micro. Hein, les pistons vont être sympathiques, hein.